Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle de la semaine. C'est la nouvelle mise à jour du Smart EQ, donc le Smart EQ version 4 de chez Sonibel. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions. C'est important pour le référencement avec le petit pouce bleu et la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne par vous-même, vous trouverez tous les liens directement dans la description. Et si vous souhaitez m'offrir un petit cadeau pour Noël, il y a même un petit lien PayPal. Merci à vous. Si vous voulez avoir toutes les informations par rapport au Smart EQ 4 de chez Sonibel, il vous suffit d'aller directement sur le www.sonibel.com. Vous allez arriver sur ce site et dès que vous y êtes, vous avez directement un encart Smart EQ 4 découverte. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les informations par rapport à ce VST qui a été pas mal amélioré depuis la version 3. Donc vous avez une période d'essai de 30 jours pour pouvoir tester le VST pour être sûr qu'il vous plaise. Maintenant, si on regarde un peu tout ce qui a été amélioré, au niveau de l'interface, ils ont réorganisé la façon dont on va gérer les groupes d'equalizer, c'est-à-dire que maintenant, par groupe, on peut mettre jusqu'à 10 equalizers qu'on va pouvoir traiter ou mettre en place, on va dire, par ordre d'importance, front, middle, back, et vous pouvez, bien sûr, analyser l'ensemble des equalizers en même temps. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir sur une même vue deux equalizers distincts. En haut, vous allez avoir l'equalizer sur lequel vous êtes dans votre session. Et en bas, vous pouvez sélectionner un des autres equalizers du groupe et vous pouvez même faire des manipulations directement sur l'equalizer à partir de la même instance. Donc en fait, avec une instance, vous pourrez gérer jusqu'à 10 equalizers à l'intérieur du groupe, ce qui est vraiment pas mal. Autre petite cerise sur le gâteau, ils ont rajouté la fonction dynamique au point d'EQ, ce qui fait que maintenant, le Smart EQ est devenu un vrai EQ dynamique, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir la courbe qui allait réagir dynamiquement façon les EQ Gullfoss et compagnie, mais maintenant même les points vont être dynamiques comme un Pro Q3 ou l'equalizer Kirchhoff de chez Tri-Bodytech ou Plugin Alliance. Donc maintenant on a un vrai mode dynamique avec le contrôle de l'attaque, du release, le ratio et le threshold. Et vous avez aussi un potentiomètre pour la plage dynamique. Comme ça, à partir du même point, vous pouvez soit directement régler pour que ça ajoute du son ou que ça retire du son. On va voir ça dans le tutoriel. C'est vraiment très bien fait. On a toujours notre système d'IA qui va nous permettre de déterminer sur quel type de source sonore on pose l'equalizer pour que l'EQ puisse analyser la track et nous proposer une première courbe d'équalisation pour la track en question. Et ensuite, ça sera à vous de rajouter les points pour pouvoir gérer au mieux le son de votre piste. Donc c'est devenu un equalizer vraiment très complet. La seule chose qui va réellement manquer, c'est une entrée sidechain, puisqu'il n'y a pas l'entrée sidechain sur le Smart EQ 4, ce qui peut poser problème à certaines personnes. Même si, quelque part, vu qu'on peut faire des études de groupe, en ce qui concerne le masquage de fréquence, l'equalizer va régler lors de l'étude, par exemple entre le kick et la basse, ça va déjà être pris en compte, donc ça va atténuer directement le masquage entre kick et basse, et donc
Après, est-ce vraiment utile d'avoir le sidechain? C'est à voir. Mais j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas lors de mes tests. Bien entendu, le VST va fonctionner sur Mac comme sur PC. Les silicones d'Apple sont pris en charge. Il va être au format VST, VST3, AAU, AAX. Bref, tout le monde va pouvoir s'en servir sur toutes les dos du marché. Vous retrouverez aussi le Smart EQ directement sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez des liens affiliés directement dans la description de la vidéo. La mise à jour à partir de la V3 est à 29 euros et pour le prix de lancement, le Smart EQ 4 est à 89 euros. Ensuite, c'est à vous de voir si l'outil vous intéresse. Maintenant, on va aller dans Reason pour voir comment tout ça fonctionne. Donc là, on se retrouve dans une petite session que j'ai créée pour pouvoir tester le Smart EQ. Dedans, j'ai utilisé divers instruments, notamment batterie, contact, avec différentes instances de contact et massive avec différentes instances de massive. Sachant que j'ai un contact qui va me sortir des petites lignes de violon directement ici. J'ai un contact qui va me sortir des lignes de piano d'une des banques qui a donné avec la complète standard, puisque dans les prochains tutoriels que je vais faire, on va parler de la complète standard de Native Instruments et j'ai utilisé pour les drums batterie 4 avec les sorties séparées. Si on retourne le rack, vous avez la possibilité directement de pouvoir câbler les sorties séparées de votre instrument pour améliorer le mix. Ensuite, dans l'onglet Communauté, vous allez retrouver des liens pour aller télécharger le VST Vpan de chez Rhodes que j'ai mis sur mes hi-hats puisqu'il est gratuit. Petit cadeau de la part de Rhodes pour Noël. Vous allez aussi pouvoir télécharger le BeatSlamer qui va vous servir pour la compression parallèle. En fait, c'est une version allégée de I Heart New York version 2 et donc qui fait très bien le job pour tout ce qui est compression parallèle. Si on écoute les drums en solo, là j'ai mon bus normal et si je rajoute la compression, je le remets en bypass. On sent bien la différence de punch. D'accord? Après, sur mes violons, j'ai rajouté le VST EFX Refract de chez Arturia qui est gratuit pendant les fêtes de Noël. Donc pensez à le récupérer. Donc là, il est directement sur les violons. Si je mets ma piste de violon en solo, ça va donner ceci. Si je mets l'effet en bypass, donc ça va servir à donner de l'ampleur à votre son. Ça va servir à pas mal de choses. Je vous laisserai aller lire directement les descriptions sur le site d'Arturia, c'est une sorte d'unisson avec lequel on va pouvoir jouer sur le nombre de voix et rajouter des effets. Donc on a le choix entre bandpass, donc un filtre, compass, beatcrusher, distorsion, harmonizer. Et là, on a l'effet d'unisson avec le nombre de voix. Vous pouvez faire un traitement parallèle et faire des automations, soit par rapport à un LFO, et ensuite vous avez aussi un high pass et un low pass filter. Bref, c'est assez complet. Comme d'habitude, sur les VST de chez Arturia, c'est très bien fait.
Donc, allez le récupérer. Il est gratuit. Donc, voilà pour tout ça. Et donc, les prochains tutos, ça va être sur la Complete Standard de Native Instruments. Maintenant, on va voir comment utiliser le Smart EQ 4. Je vais déjà en mettre un directement sur mon bus master. Donc, quand le VST s'ouvre, ça nous donne ceci. Pour apprendre à l'utiliser, on va l'utiliser en direct. Comme ça ira beaucoup plus vite et ça sera plus simple. Donc là, on a directement l'accès au preset pour pouvoir faire l'étude du son qui va passer à travers l'équaliseur. Vous pouvez déterminer si c'est une basse, des drums, guitare, key, speech, vocal, synth, string. Et ensuite, pour le mix, on a acoustique, classique, électronique, funk, hip-hop, avec deux catégories, classique hip-hop ou trap, jazz, metal, pop, punk, reggae, R&B, rock. Et vous pouvez importer des tracks de référence jusqu'à 8 pour pouvoir comparer votre son avec les réglages de différents morceaux. La possibilité de sauvegarder ce que vous avez fait, un undo, un redo, la mise en on-off de l'analyseur de spectre. Vous pouvez déterminer si sur l'affichage vous voulez avoir uniquement le pré, uniquement le poste ou le pré et le poste. Si on est en vitesse rapide ou en vitesse lente, le dB range et une fonction EQ tilt. Là, on va se créer un groupe. Vu qu'on est sur le bus master, je vais faire créer nouveau groupe. La première instance, je vais l'appeler tout simplement bus master. Et donc là, je vais avoir mon premier equalizer. Ensuite, je vais mettre un equalizer sur mon bus de drum. Donc, je retourne dans mes EQ. Je prends l'equalizer, je glisse au niveau de mes drums, je fais Add to Group, je prends le groupe déjà existant, il est ici, et là, je vais l'appeler Drum. Ensuite, je vais aller sur ma basse, je vais rajouter directement sur ma piste de basse un equalizer. Pareil, add to group, et là, je vais l'appeler ici basse. Comme ça, on s'y retrouve bien. Et dernier groupe, ça va être les mélodies. Je vais le laisser avec un réglage universel. Je prends le Smart EQ, je le glisse sur mon bus de mélodies, add to group, sur le groupe existant. Et là, maintenant, je vais appeler ma quatrième instance Mélodie. Une fois qu'on est là, mes drums, je vais choisir un preset de drum. Je vais mettre drum set, il est sur le bus de drum. Mon bus master, je vais mettre hip hop puisqu'on est en train de faire du hip hop. Les mélodies, je le laisse en universel et la basse, je vais l'appeler basse. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est mettre la basse en arrière-plan. Les drums en middle, mélodie en middle et mon bus master devant. Une fois qu'on a fait ça, ben on peut lancer directement une étude à partir du son. Donc là, ce que je vais faire moi personnellement, je vais me remettre sur mon EQ ici et je vais lancer l'étude du son. Learn all.
Donc là, ça va faire l'étude pour l'ensemble des tracks. Donc là, on a déjà une première EQ, que ça soit pour le bus master, pour mes drums, pour mes mélodies, donc les drums, les mélodies et ma ligne de basse qui vient se creuser là où j'ai la partie avec mon kick. Si je mets en bypass, on avait ça au départ. Et on a ça après la première étude. Donc déjà, ce que je peux faire sur l'instance du master, c'est voir à quel point la même chose sur les drums. Les mélodies. Maintenant, si je prends par exemple mes mélodies, rien ne m'empêche ici de venir créer un petit filtre pour couper les basses fréquences. Même chose au niveau de ma basse, sauf que je vais me mettre à 30 Hz. Je fais un bypass. Je remets en fonction. Bypass. Au niveau de ma basse ici, je pourrais créer un petit point dans cette section, le mettre en dynamique, bypass all.
Comme vous voyez, l'ensemble fonctionne relativement bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller prendre mon bus de drum, je vais me mettre en solo histoire d'écouter ce que ça donne. Là, je vais recréer un petit point ici. Je vais mettre un petit filtre. Voilà, je vais venir jouer sur le Q. Après ici, je pourrais très bien faire un high shelf, pourquoi pas dynamique. Et venir jouer hop, sur le taux de compression. Baisser un peu mon threshold. Remets l'ensemble, je vais rajouter ma compression parallèle, je remets le mix. Là, mon kick, il ressort pas mal par rapport à ma basse, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et maintenant, mes mélodies. Le solo. Maintenant,
je me mets en manage group, bypass all. Au départ, on était comme ceci. Donc comme vous voyez, le système fonctionne relativement bien. Tout ce qui va réellement manquer, si on peut dire, c'est peut-être une entrée sidechain, mais vu qu'en même temps on peut jouer sur les différents equalizers et lors de l'étude des tracks, on a la prise en charge du masquage de pistes entre les drums et la basse, et que là, la basse est mise en arrière-plan en plus dans mon système de classement, ben, au final, ça compense. Bypass. Donc, au début, on avait beaucoup plus de basse. Et au final, tout est plus affiné. Maintenant, je peux gérer l'impact. Si je me mets par exemple à 72 à 70%. Et là on est avec. Donc voilà pour cette petite présentation du Smart EQ 4. Comme vous avez vu, on a la possibilité de l'utiliser uniquement et simplement comme un equalizer traditionnel, c'est-à-dire que par exemple ici sur cet EQ, j'aurais très bien pu directement créer des points et venir faire mon équalisation comme sur un Pro Q3, c'est-à-dire que hop, je viens, rien ne m'aurait empêché de venir faire une petite coupure ici, je viens relever un peu tout ça, là, une petite bells un petit peu large, histoire de faire ressortir mes médiums. Au niveau des aigus, j'aurais très bien pu mettre directement comme ceci. Et là, en ayant fait ces points-là, je peux très bien relancer. Donc ça me permet de conserver mes points et ensuite de venir adoucir la courbe. Et bien entendu, mes points, si j'ai envie, je peux aussi les mettre directement en dynamique. Comme si j'avais le Pro Q3. Et là, si je reprends tout le groupe,
bypass. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec. C'est un outil relativement flexible. Bref, très belle mise à jour de la part de chez Sonible. On peut faire tout un mix vraiment très simplement, très facilement. Et on peut aller jusqu'à 10 instances de Smart EQ dans un seul groupe comme j'ai créé là. Donc, j'espère que cette petite présentation du Smart EQ 4 de chez Sonible vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un equalizer avec pas mal de possibilités. On peut l'utiliser avec l'IA, sans l'IA, faire un mélange des deux. Bref, on a pas mal d'options. Ça peut aider grandement pour pouvoir faire votre mix comme votre mastering. Après, à vous de voir si vous aimez ce type d'outils intelligents et si ce sont des EQ qui sont pour vous, mais personnellement, je trouve que la mise à jour est vraiment top et surtout l'ajout des points dynamiques avec le réglage de l'attaque et du release, c'est relativement important. J'espère que FabFilter va faire la même. Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!